Salut les amis des animaux, et oui c'est la rentrée, et qui dit rentrée dit bientôt l'hiver chez nous en métropole. C'est pourquoi le sujet du jour sera l'hibernation et ses dérivés. Le mot hibernation signifie manière de passer l'hiver. Il s'agit en fait d'une faculté qu'ont certains êtres vivants de s'adapter aux conditions climatiques de l'hiver. N'est-ce pas, professeur K? Tout à fait, mais comme tu l'as dit, Kouraï, ce n'est pas la seule. Il existe tout d'abord trois grands types de ralentissement ou de cessation d'activité durant l'hiver chez les homéothermes. Ou animaux à sang chaud. La torpeur est un état physiologique qui s'arrête dès que l'air se réchauffe. C'est-à-dire que lorsque la température extérieure augmente, l'animal réajuste sa température interne en la diminuant légèrement afin de ne pas gaspiller d'énergie pour se réchauffer. Certains oiseaux et certains chiroptères, autrement dit les chauves-souris, peuvent ainsi entrer en état de torpeur quotidienne. Le deuxième groupe des animaux qu'on a souvent considéré comme des hibernants à tort, on appelle ce type la somnolence hivernale. Ou plus simplement l'hivernation. L'hivernation, donc, n'entraîne pas une interruption des activités physiologiques. L'animal hivernant dort énormément, a une hypothermie modérément plus faible que l'accoutumée et est entrecoupé de nombreux réveils pour se nourrir afin de faire ses besoins. Dans ce type, on retrouvera les blaireaux, les ratons laveurs, les opossums, opossum. Et les ours. Les ours, parlons-en. La femelle donne justement naissance à ses petits pendant l'hiver, et leur corps fonctionne normalement afin d'être capable d'agir en cas de danger. En gros, les hivernants sont des animaux qui se confinent chez eux, qui passent leur temps à dormir, manger et chier. C'est assez bien résumé, oui. On arrive enfin à l'hibernation. Les animaux hibernants se mettent en léthargie. Ça signifie qu'ils vivent au ralenti. Leur température baisse, leur battement de cœur et leur mouvement respiratoire diminuent. Ils sont un peu comme à la limite de la mort. Professeur, je vous laisse continuer. L'animal en léthargie, pour maintenir ses fonctions vitales, a besoin d'énergie. C'est pourquoi il se nourrit abondamment avant cette période, stockant graisse et sucre destinés à être métabolisés pendant l'hibernation. Comme dit précédemment, ils diminuent leur température corporelle, mais ils restent toujours positifs dans la plupart des cas. Elle peut tout de même approcher 0 degré Celsius. Par exemple, 3,5 degrés Celsius pour le spermophile ou écureuil américain et moins 2,9 degrés en moyenne pour le spermophile arctique. Les animaux hibernant réellement sont les loirs, les marmottes, les spermophiles et certaines chauves-souris. Non, pas lui. C'est un homme. Similaire à l'hibernation, il y a la brumation. C'est l'hibernation des animaux à sang froid. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Tous les reptiles ne brument pas et c'est moins drastique que l'hibernation. D'ailleurs, ça se rapproche plus de l'hivernation. Les animaux concernés sont obligés de le faire car leur corps est directement lié à la température extérieure. C'est pourquoi les reptiles qui proviennent de climats tropicaux et qui restent au chaud régulièrement ne brument pas. Ils dorment donc la plupart du temps, ne peuvent pas vraiment avoir de nutriments grâce à leur nourriture, car c'est la chaleur qui leur permet d'en absorber les nutriments. Ils doivent cependant se réveiller afin de s'hydrater. On peut aussi citer les alligators d'Amérique, qui restent dans les eaux gelées, ne laissant dépasser que leurs narines afin de respirer, et qui restent ainsi dans les moments de grand gel. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus à propos des alligators et crocodiles, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ce sujet. Dans les dérivés de gestion de température, il y a l'estivation, qui ressemble un peu à l'hibernation, mais qui se fait en saison chaude. L'animal estivant se met en diapause, similaire à la léthargie, avec ralentissement de leur métabolisme. Les animaux qui la pratiquent sont essentiellement des reptiles. Serpents, crocodiles, alligators, mais aussi des insectes et des escargots. Passons maintenant à la migration. Elle est liée majoritairement aux oiseaux, mais d'autres espèces peuvent migrer, comme les poissons, la baleine, le gnou,
le bison, le caribou, les grenouilles et crapauds, et d'autres invertébrés, comme certaines espèces de papillons et libellules. Le principe de la migration, c'est quand le froid arrive, les animaux changent de lieu de vie pour retrouver de la chaleur et ne pas subir le froid. Finissons cet épisode par la thermogenèse. La thermogenèse est la production de chaleur chez les animaux par augmentation du métabolisme cellulaire. Ouais, en d'autres termes, c'est notre façon à nous de gérer la température. Comme vous le savez, notre température doit se trouver dans les 37 degrés Celsius pour vivre normalement. En dessous, on ressent du froid qui nous alerte et on tente de se réchauffer du mieux qu'on peut en se préservant du froid. Mais on ne peut pas se mettre en léthargie car notre corps ne supporterait pas ce genre de contraintes. On a donc toujours besoin d'être actif et de se nourrir afin de créer de l'énergie et de la chaleur. A contrario, lorsqu'on a chaud, nous devons beaucoup nous hydrater. Et la sudation est notre arme pour extraire la chaleur en surplus, et là, on parle de thermoline. Ceci concerne la majeure partie des animaux à sang chaud de la Terre. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, nous sommes tous des animaux. Bye !